Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre 14, bienvenue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, en direct. 27 octobre. Nous sommes très heureux dans le cycle... Mon papa chéri, que d'aventures depuis ma dernière lettre. Notre existence en campagne est tellement faite d'imprévus. Hier matin... Je crois qu'il y a une concurrence au son. Je vais donc reprendre. On est très heureux d'ouvrir ce cycle avec l'Université Populaire du 14e, liée au football, pendant 4 samedis. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Fontaine. Bienvenue, on est très 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 heureux. L'Université populaire du 14e est établie depuis de nombreuses années. Et au Théâtre 14, nous avons également une université populaire avec des rendez-vous tous les samedis à 14h. Exceptionnellement, pour ce cycle-là, il sera à 10h30. Mais vous pouvez donc le suivre au Théâtre 14, mais également en direct pour les rattraper a posteriori sur la chaîne YouTube du Théâtre 14. On va essayer de faire court, on est 2 heures ensemble. Donc je passe la parole à l'Université populaire du 14e. Merci beaucoup. Alors, merci au Théâtre 14 de nous accueillir pour notre cycle sur le football. Donc, l'Université populaire du 14e existe maintenant depuis plus de 10 ans. L'idée, c'est de démocratiser l'accession à la culture par le biais de différents cycles de connaissances. Donc, c'est des cycles qui touchent à différents sujets. Alors, ça peut être le football, comme cette fois-ci. Ça peut être la science, ça peut être la politique, ça peut être l'histoire. Donc, c'est vraiment des sujets variés. Ces sujets sont décidés en sein d'un conseil d'orientation qui réunit adhérents et certains experts. Voilà, donc on existe depuis 2011. On fait des cycles qui se déroulent sur le temps de l'année scolaire, donc entre septembre et juin. Et dorénavant, depuis 2019, on fait 4 cycles de 3 séances à chaque fois. Avec une exception, quand on travaille avec un partenaire local comme le Théâtre 14, on a une 4e séance, ce qui sera le cas cette fois-ci. Alors, comme nous, comme le Théâtre 14, on est moderne. On a aussi une chaîne YouTube, mais qui sera pas, on n'est pas en direct. Par contre, il y a une captation filmée où vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet les séances, toutes les séances qui se sont déroulées et ce cycle en particulier. Merci beaucoup et je passe la parole à d'autres personnes. Je vais juste la reprendre parce que peut-être que vous allez être étonné de ce dispositif un petit peu particulier qui n'est pas lié du tout à la conférence ni au football, qui est lié au spectacle Herculine Barbin que nous accueillons à partir du 15 novembre, à partir de mardi prochain. Donc nous vous attendons tous très nombreux et vous découvrirez pourquoi c'est lié, pourquoi c'est latte pour un très très beau spectacle. Alors maintenant j'appelle les personnes qui sont en charge du cycle et qui vont présenter le cycle et après l'intervenante. Merci beaucoup madame pour votre présence. Alors bonjour, ça marche? Bonjour à toutes et à tous. En association avec le Théâtre 14, nous avons voulu organiser un cycle sur le football, donc qui est un sport populaire, qui répond à une culture populaire et chacun connaît les noms du foot, les événements sportifs du foot et chacun aussi sait qu'il y a un certain nombre de dérives dans le monde du foot. Alors on a pris l'occasion aussi de la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar et commencer dans 8 jours, qui est un exemple aussi sans doute de ces dérives, dont on pointe le coût humain, le coût social, le coût écologique, les questions aussi d'attribution
de la Coupe au Qatar. Et donc, on a voulu réfléchir sur cette question du football, à la fois culture populaire et la question de l'argent et de la domination de l'argent. Alors, on a fait 4 séances ensemble. Hein, c'est le fruit d'une très étroite collaboration. Une première séance sur un siècle de sport populaire, donc avec Marion Fontaine aujourd'hui. Une séance sur la question de l'argent du foot avec l'économiste Richard Duhautois. Une séance sur la question du foot comme moment fédérateur ou bien comme générateur de division et de violence avec le sociologue Stéphane Beau. Et puis une séance donc sur les arts vivants. Donc là, je laisse quand même Hélène, qui est la spécialiste, nous parler de ça. Oui, donc on est très contente de cette collaboration avec l'UP14. Et pour la dernière séance, donc on s'est penché sur la question du lien entre le foot et le spectacle vivant en invitant Natacha Steck, qui est une jeune metteuse en scène et qui est aussi footballeuse et qui s'entraîne au stade Dido juste à côté, donc aussi à Paris 14, et qui a fait un spectacle qui s'appelle France sur la victoire de la France à la Coupe du Monde de 98. Et donc ce qui nous intéressait, c'était justement ce passage du gazon à la scène, comment justement de sa pratique du foot, elle a créé un spectacle. Voilà. Donc on verra ça le 3 décembre et on est très contente de cette collaboration. Voilà, bah nous aussi. Donc je passe la parole à Joël qui va présenter Marion Fontaine. C'est ça. Bah, vous avez vu sur le flyer là, que Marion est professeure à Sciences Po. Je ne vais pas m'étendre sur ses autres activités fort nombreuses. Je dis juste qu'elle est directrice des cahiers Jaurès aussi, parmi toutes les activités éditoriales. Son domaine, histoire politique et sociale, c'est l'ensemble des sociétés industrielles européennes, on va dire. Et donc, là-dedans, le monde de la mine tient une place, une certaine place. Et si elle était tout indiquée pour venir aujourd'hui, c'est qu'elle a fait un ouvrage sur le RC Lens, le Racing Club de Lens, que vous connaissez quand même ceux qui ne sont pas footballeurs. C'est un ouvrage, comment dire, qui peut être une sorte d'idéalisation, qui peut conduire à une sorte d'idéalisation hein, du sport populaire, parce qu'on a là à la fois une culture populaire et une pratique populaire. Et la culture populaire, on pourrait dire, qui reproduit une sorte de solidarité ouvrière, puis la pratique aussi qui a permis la promotion d'un certain nombre de gens. Seulement, depuis l'époque de Raymond Coppa, je ne sais pas si ce nom-là veut dire quelque chose, natif de Neuilly-Mines, et à celle de Zinedine Zidane ou à celle des jeunes gens qui font l'actualité actuellement, il n'y a évidemment pas un fil direct. Et bien sûr, l'argent et la professionnalisation sont passés par là. Et Marion a écrit aussi un ouvrage très, très intéressant sur la catastrophe des mines de Liévin en 1974, où il y a eu 42 morts, Liévin étant une ville collée à Lens, enfin une ville jumelle de Lens, et elle appelle ça la fin d'un monde, mais enfin, en fait, c'est plutôt le changement d'un monde que vous présentez dans ce livre. Alors peut-être que ce changement a lieu aussi dans la culture populaire. En tout cas, disons que il n'y a pas eu la fin d'une passion populaire pour le football, c'est déjà cela qu'on peut dire, mais après ce petit focus très précis, je pense qu'elle va nous faire un panorama beaucoup plus large et beaucoup plus nuancé que ce que j'ai dit sur la culture populaire du sport. Oui. C'est bon ? Vous m'entendez ? Non ? C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous pour commencer. Hein, c'est un peu étrange de parler sur cette scène de théâtre, mais je vais essayer, j'ai l'impression de faire un one-woman show. C'est assez impressionnant à dire vrai, mais je vais essayer de me débrouiller. Et j'ai d'abord pour commencer remercier les organisateurs et les organisatrices, en particulier Laure Godinot et Joël Michel, qui ont expliqué l'un et l'autre pour quelles raisons nous nous connaissions et qui ne sont pas uniquement lié au football, et les remercier vraiment de m'avoir invité, de m'avoir convié à inaugurer donc la première séance de ce cycle sur le football, sport populaire, donc effectivement, dont Laure Godinot et Joël Michel ont rappelé à quel point ça avait été, et c'est une question.
Alors, avant d'entrer immédiatement dans le vif du sujet, bon, Joël Michel l'a un petit peu expliqué, je pense qu'il est bien d'expliquer un petit peu de quel point de vue je pars, c'est-à-dire que, effectivement, le football aujourd'hui, vous le savez tous, on ne peut pas y échapper, on pourra encore moins y échapper dans 8 jours. Le football fait l'objet d'innombrables discours médiatiques, politiques, culturels, etc. C'est pas du tout dans ce type de discours que je vais me lancer. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer, c'est bien une vision historienne sur le football. Ce type de vision historienne, bon, pendant longtemps, n'a pas été tellement mise en œuvre, mais depuis, disons, une trentaine, une quarantaine d'années maintenant, il y a véritablement une histoire du football qui s'est constituée en France, en Grande-Bretagne, avec l'idée, et c'est aussi, je pense, que ce que j'aimerais un petit peu vous démontrer, que le football est bien sûr un jeu. Le football est aussi un objet social et un fait social. Et à travers le football, on peut penser un certain nombre de questions qui traversent notre société. Donc l'enjeu, c'est bien... donc désolé si vous vouliez voir une espèce de succès d'année de téléfoot. Téléfoot, c'est demain matin, donc vous pourrez. Je ne vais pas me lancer dans une espèce d'histoire épique du football, mais bien essayer de réfléchir un petit peu avec vous sur justement ce que le football entendu... sous son angle et sous l'identité qui lui est souvent prêtée de sport populaire, peut nous dire d'un certain nombre de transformations des sociétés depuis la fin du XIXe siècle. Et alors, quand même, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques fanatiques du Racing Club de Lens, effectivement, Joël Michel a eu raison de dire que j'ai fait ma thèse sur le Racing Club de Lens, et j'en profiterai aussi pour dire un petit mot sur ce club, pas tellement pour lui-même, mais parce que là aussi, il dit un certain nombre de choses sur le football comme sport populaire. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est une chose entendue aujourd'hui. Le football est non seulement un sport pratiqué en masse, 2 millions de licenciés en France à la Fédération française de football, et c'est un sport qui, plus encore, est regardé en masse. C'est-à-dire qu'à la fois dans sa dimension de pratique et dans sa dimension de spectacle, c'est désormais une activité de masse globalisée. 3,5 milliards de téléspectateurs pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Je ne sais pas si celle du Qatar atteindra les mêmes niveaux, mais en tous les cas, c'est bel et bien l'un des sports qui est les plus mondialisés et les plus massifiés aujourd'hui. On dit aussi souvent, et je pense que si vous m'avez invité, c'est pour cette raison, que le football est par ailleurs le sport populaire par excellence, incarnant ou qui aurait incarné l'identité, la culture des dominés, les jeunes gens des favelas au Brésil, les ouvriers et les immigrés en France, les jeunes gamins circulant dans les rues de Turin, etc., etc. Donc le football serait la quintessence d'une identité populaire, masculine, elle l'aura été pendant la quasi-totalité du siècle, d'une identité des dominés qui s'exprimerait ici, sur les terrains de jeu. Alors, cette caractéristique populaire du football, cette idée que le football incarnerait l'identité sociale de toute une partie de la population, elle est jusqu'à aujourd'hui à la fois affirmée, déniée et débattue. Alors, c'est une question qui se pose beaucoup, qui est récurrente, hein, mais qui se pose beaucoup ces dernières années. Ce qui se dit beaucoup ces dernières années, c'est que le football aurait perdu cette identité populaire, que sous l'effet de la globalisation, il ne serait désormais plus qu'une activité complètement marchandisée, et que, au fond, désormais, cette identité populaire se verrait sous l'angle de la nostalgie. D'autres, au contraire, pour des raisons intéressées ou pas, ou ne cessent de marteler que cette identité populaire est encore présente, qu'elle n'est que recouverte par un certain nombre de choses, mais qu'elle existe. Je vous renvoie au beau supplément qui a été publié par le journal L'Humanité il y a quelques jours, qui revient sur un siècle de football, sport populaire. J'en renvoie à tout ce que dit, par exemple, le magazine SoFoot. Donc d'autres revendiquent, au contraire, et affirment cette identité populaire.
Alors, face à ces approches contrastées, l'enjeu de ce que je voudrais voir avec vous, c'est au fond de réinscrire cette question dans l'histoire. Puisque du football, on pourrait dire, en paraphrasant Simone de Beauvoir, c'est un peu étrange de mettre Simone de Beauvoir ici, mais donc comme Simone de Beauvoir disait dans le deuxième siècle, dans le deuxième sexe, pardon, qu'on ne naît pas femme, on le devient, on pourrait dire du football la même chose. Le football n'est pas né populaire, il l'est devenu, et cette caractérisation a été en permanence remodelée et disputée. Et donc l'enjeu de ce que je voudrais vous présenter ici, c'est de montrer que le caractère populaire du football n'est pas intrinsèque à la pratique sportive, qu'il est apparu pour des raisons sur lesquelles on va revenir, et que ce caractère populaire a été en permanence un objet de conflit et a en permanence évolué. Donc si le football aujourd'hui est débattu aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour un historien ou une historienne du football, ça n'a rien d'étonnant, il l'a en réalité toujours été. Alors, premier temps, je vais vous proposer que nous remontions quand même assez haut. Donc, assez haut, pas autant préhistorique, hein, contrairement à ce que pense la Fédération internationale de football sur son site, les hommes préhistoriques ne jouaient pas au football. Mais quand même, au milieu du 19e siècle, dans le cadre de l'Angleterre au milieu du 19e siècle, dans le cadre de l'Angleterre industrialisée, dans le cadre de l'Angleterre impériale, dans le cadre aussi de cette Angleterre victorienne, de Downton Abbey, etc., avec ses maîtres, avec ses serviteurs, avec ses aristocrates, qui est le berceau du football. Puisqu'en effet, à l'origine, là, ce qui est sûr, c'est que le football n'est pas du tout né comme une activité populaire. Le football, il apparaît dans le cadre des public schools britanniques, c'est-à-dire de ces établissements qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont des établissements privés d'élite, Eton, Rugby, etc. Eton, Rugby, ce sont d'abord des collèges britanniques. Donc, ce sont ces lieux qui forment les jeunes gentlemen britanniques. Donc, c'est l'école alsacienne multipliée par 10, si vous voulez. Donc, c'est les lieux par excellence de formation des jeunes gentlemen. Et dans ces lieux, on essaie de trouver des activités à ces jeunes gentlemen qui, à la fois, puissent leur permettre d'apprendre un certain nombre de valeurs morales, le respect de l'adversaire, puisse endurcir leur corps et en même temps ne dérive pas trop vers la violence, puisque là aussi les formes de violence des jeunes ne sont pas du tout un truc nouveau et ces jeunes ont tendance quelquefois à se battre plus que de raison. Donc d'où l'invention d'un certain nombre d'activités et par exemple le fait de reprendre là des pratiques anciennes mais en les codifiant beaucoup plus strictement du fait de donc des jeux de balles où le jeu consiste à mettre la balle dans un but. Donc, des jeux pendant quelques années donc, qu'on diffuse auprès de ces adolescents, qu'on va peu à peu codifier, alors avec un certain nombre de controverses. Hein, est-ce qu'il faut pouvoir user des mains? Est-ce qu'on peut utiliser les mains ou pas? Ça va donner lieu à deux interprétations différentes. De la première, naîtra le football, on n'utilise pas les mains. De la seconde, naîtra le rugby, on peut utiliser les mains. Donc avec aussi une vraie controverse, là encore, sur la question du degré de violence autorisée. Est-ce qu'on a le droit de donner un coup de pied à l'adversaire? Est-ce qu'on a le droit de taper dessus? Etc., etc. Donc en tous les cas, c'est bien dans ce cadre ultra élitiste, ultra aristocratique, que naît ce qui devient en 1863 la Football Association, c'est-à-dire la première fédération de football de l'histoire. Donc, qui, cette naissance en 1863 témoigne qu'à cette époque, le jeu a déjà commencé à être codifié. Donc, on a les 11 joueurs, on n'a pas encore la durée exacte des matchs, mais en tous les cas, on a une activité athlétique de type nouvelle qui est en train de se codifier et qui à ce moment-là est vraiment le passe-temps de ces jeunes élites auxquelles le football est censé, je le répète, apprendre les valeurs de fair play, de respect de l'adversaire, de pugnacité, d'élégance, etc., etc.
Bon, on pourra y revenir, si vous voulez, dans la discussion. Il y aurait un certain nombre de questions dès à présent à se poser, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est l'Angleterre qui a été le berceau de ce type de sport athlétique, le football, le rugby. Un certain nombre de sociologues, je pense notamment au sociologue Norbert Allemand, Norbert Elias, y voyaient quelque chose de plus qu'une coïncidence. C'est-à-dire qu'ils estimaient que, au fond, les sports athlétiques modernes, ceux qui naissent au XIXe siècle, correspondent ou sont en affinité avec les nouvelles sociétés démocratiques et industrielles qui apparaissent. Des sociétés plus codifiées, plus régulées, des sociétés où la question de la performance commence à prendre, commence à prendre une importance essentielle, des sociétés qui affirment l'égalité des individus, mais qui recomposent en permanence des hiérarchies, des sociétés, enfin, qui, par rapport aux sociétés qui les ont précédées, cherchent, là encore, à réguler de manière beaucoup plus importante la violence. Donc, pour finir, il y aurait une espèce d'affinité, dit Norbert Elias, entre les nouveaux sports athlétiques et les sociétés démocratiques industrielles. Ce que dit Norbert Elias, on pourra y revenir, c'est qu'au fond, les sociétés jouent comme elles travaillent et comme elles font de la politique, et que leur jeu ressemble à la manière dont elles prient, dont elles travaillent et dont elles font de la politique. Alors, mais revenons à nos public schools et à notre football association. Donc, cette petite football association, elle se développe et en 1888, on a les premières compétitions à l'échelle de l'Angleterre qui sont organisées. Et assez rapidement, la chose prend une certaine ampleur, c'est-à-dire que dès ces 20-30 premières années, vous avez un nombre de pratiquants qui augmente, et vous avez également, et ça c'est intéressant, un sport qui n'est pas seulement pratiqué, mais qui est également regardé. C'est-à-dire qu'à cette époque, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de stade, évidemment, mais peu à peu, on s'aperçoit qu'autour des stades, vous avez de plus en plus des gens qui s'agglutinent et qui trouvent ce spectacle plaisant, au point que l'on commence à édifier les premiers stades. Et à la fin du siècle, déjà, en moyenne, il y a une assistance de 20 000 personnes pour un certain nombre de matchs. Donc vous êtes effectivement d'ores et déjà dans quelque chose qui visiblement suscite un intérêt qui va au-delà du cadre étroit des public schools britanniques. Alors, et effectivement, ce qui se passe, alors si vous voulez avoir un résumé romancé de cette histoire, je vous conseille la très bonne mini-série sur Netflix, The English Game, qui... Il y a un certain nombre de petites inexactitudes, mais peu importe, qui met bien en lumière les conflits sociaux qui surgissent autour de ces premières décennies du football. Puisqu'au fond, effectivement, au départ, le football, et dans les premières décennies, devient quelque chose de très clivé. C'est-à-dire qu'il a ce fond d'origine aristocrate, élitiste, et il demeure une activité, encore une fois, très pratiquée dans les lieux de l'élite britannique. Et en même temps, il devient assez visible qu'il est pratiqué par d'autres personnes, ouvriers, alors pas tellement les paysans, mais ouvriers, classe populaire, classe moyenne, qui en font autre chose. Alors, qui jouent suivant les mêmes règles, hein, évidemment, vous ne changez pas les règles du football, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques, qui ne mettent pas nécessairement la même passion, etc., etc. Et alors, au fond, on pourrait dire que dès cette époque, le football se popularise, mais dès cette époque aussi, ça entraîne un certain nombre de débats. Et je pense que c'est important de noter que... cette popularisation du football, elle n'est ni évidente, ni évidemment acceptée. Parce que ceux qui pratiquent ce sport à l'origine, donc les membres des élites britanniques, ont l'impression que ce sport est
pervertis, corrompus. Alors, c'est un peu le même discours qu'aujourd'hui, mais tout à fait dans l'autre sens. Pervertis, corrompus, abîmés par des espèces de ploucs qu'ils pratiquent, mais qui ne savent pas le pratiquer, qui en font n'importe quoi. Alors, ces débats, ces questions d'appropriation sociale, elles se cristallisent sur deux questions en particulier. La première question, alors Joël Michel y a fait brièvement allusion, c'est celle du professionnalisme. Alors, le professionnalisme, c'est sans doute le débat clé des 30 ou 40 premières années du football, et c'est un débat clé sur la question de la popularisation. C'est-à-dire que l'opposition amateurisme-professionnalisme dans les premiers temps, c'est vraiment une opposition sociale. D'un côté, les membres des élites britanniques défendent l'amateurisme, dans lequel ils voient l'affirmation ou l'expression d'une pratique désintéressée du football. L'expression est la seule manière de garder les valeurs fair-play, héroïques, chevaleresques, qui seraient celles du sport à l'origine. Et ils défendent aussi l'amateurisme, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être payés, c'est-à-dire qu'ils jouent effectivement au football une ou deux fois par semaine, que ça fait partie d'un loisir et que pour eux, ça doit rester comme ça. Et de l'autre côté, sur le modèle de ce qui s'est déjà esquissé pour la boxe, pour les courses de chevaux en Angleterre, un certain nombre de joueurs issus des classes populaires ou des classes moyennes disent que, puisque non seulement ils jouent, mais aussi ils produisent un spectacle, et que ce jeu leur prend du temps, il faut bien imaginer que rien que se déplacer entre le nord et le sud de l'Angleterre, ça leur prend une journée, il n'y a pas d'avion privé ni de jet privé à ce moment-là, ils disent que puisque ça leur prend du temps, puisqu'ils offrent un spectacle, et puisque pendant qu'ils jouent et pendant qu'éventuellement ils s'entraînent, ils ne peuvent pas faire autre chose, il serait normal qu'ils soient rémunérés. Donc c'est vraiment bien une idée à la fin du 19e siècle. Si vous êtes pour que le football reste élitiste, vous êtes pour l'amateurisme. Si vous êtes pour que le football se popularise, pour X ou Y raison, vous êtes pour le professionnalisme. Donc ça, c'est un premier débat qui est très directement lié à la nature du sport. Alors, il va être assez vite réglé en Angleterre, c'est-à-dire que dès la fin du 19e, le tout début du 20e siècle, le professionnalisme se diffuse dans un certain nombre de clubs de football. J'y reviendrai, dans un certain nombre de pays, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a un deuxième débat qui est directement lié à la nature populaire que commence à avoir le football, qui sont les premières formes de violence dans les stades. Alors, c'est pas les formes de violence que l'on connaît aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de hooligans, il n'y a pas de groupe de supporters. Il faut essayer d'imaginer ces premiers stades où, je le répète, vous avez simplement quelques dizaines, centaines d'individus assis ou debout le plus souvent. Donc, c'est pas du tout ce que l'on connaît. Et c'est pas d'ailleurs les mêmes types de violences, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, c'est énormément d'attaques contre l'arbitre. Alors ça, vous me direz, c'est un classique. Mais là, c'est vraiment des attaques contre l'arbitre, soit, c'est-à-dire des joueurs, des spectateurs qui attendent l'arbitre à la sortie puis qui lui courent après. Mais c'est vrai. Un joueur de l'équipe adverse qui est passé à tabac par les supporters de l'autre équipe. À Glasgow, les spectateurs mécontents qu'on ne rejoue pas le match envahissent le terrain, incendient les installations et se battent pendant plusieurs heures avec les pompiers et les policiers. Non, on s'amuse dans les stades britanniques à la fin du 19e. C'est moins des oppositions entre supporters, au-delà de l'anecdote, comme aujourd'hui, que des oppositions, je le répète, vis-à-vis de l'arbitre, vis-à-vis des autorités instituées. Je vous le disais, déraper de manière plus ou moins sévère. Et évidemment, pour les tenants de l'amateurisme, tout ça, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'ils disent bien qu'au fond, si ce type de violence se produit, c'est bien parce que les ouvriers se sont emparés du football, et c'est bien typique du comportement de ces classes ouvrières que l'on qualifie encore très généralement de classes dangereuses, et qu'au fond, il y a un rapport direct entre la popularisation du football et sa violence. Alors retenez-le parce qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et par exemple, le fondateur du scoutisme Baden-Powell, qui n'est pas précisément un grand comique, craint que des millions de jeunes ouvriers basculent dans la violence à cause du football.
et donc dit que c'est pour ça qu'il faut les mettre au scoutisme. Donc on a une espèce, oui, je sais, c'est pas exactement ce qui va, une espèce, une autre équation qui se met en place et qui assimile bien la popularisation du football avec sa dangerosité, sa violence, c'est-à-dire le fait que le sport sorte totalement de cette espèce d'éthique fair-play idéalisée que l'on avait mentionnée. Par ailleurs, on accuse aussi dans le déclenchement de cette violence un autre élément, la diffusion des paris. C'est-à-dire qu'en Angleterre, le système des paris s'est très tôt institué sur les courses de lévrier, sur les courses de chevaux, sur la boxe. Et en fait, les paris se diffusent aussi très vite à propos du football. Ce qui accroît les enjeux et ce qui fait que les parieurs déçus à l'issue d'un match peuvent aussi, parce que leur club, enfin le club sur lequel ils avaient misé a perdu, les parieurs déçus donc à l'issue d'un match peuvent aussi très vite devenir violents. Donc, si vous voulez, au fond, on n'est pas tellement loin, mais alors sous un autre angle, hein, des accusations d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on reproche au football de la fin du 19e siècle, c'est le fait qu'il y ait déjà trop d'argent, trop de violence, que les gens fassent n'importe quoi, et pour finir, que ce sport soit désormais complètement éloigné de ce qu'il était lorsqu'il est né dans les années 1860 à Eton ou à Rugby. Donc, cette nature, ces conflits n'empêchent pas le football donc de continuer à se diffuser de plus en plus dans les couches sociales et notamment dans les couches ouvrières en Angleterre, alors que dans le même temps, il se diffuse également hors de son berceau natal et il va bientôt connaître une diffusion, d'abord européenne, puis ensuite une diffusion qui va suivre en fait les missionnaires et les commis voyageurs britanniques. Donc vous allez avoir du football qui va se diffuser en Afrique, en Égypte, un petit peu dans un certain nombre de dominions britanniques. Alors là aussi, on pourra, si vous voulez y revenir, il y a un certain nombre de mystères dans cette domination mondiale. Pourquoi le football a réussi parfaitement son implantation en Amérique du Sud, par exemple, et pourquoi en Inde ou au Canada ou aux États-Unis, ça a complètement, il est resté une pratique très minoritaire. Donc c'est une diffusion mondiale qui est logique puisque la puissance qui le diffuse à l'époque est la première puissance, mais de très loin, du monde. Il faut bien imaginer que dans les années 1890-1900, l'Angleterre, c'est les États-Unis puissance 10 aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Angleterre domine le monde. Donc, logiquement, le football suit la voie et les formes d'imposition de la domination britannique. Mais ça ne marche pas partout. Et en fait, cette influence anglophone, anglophile, on la voit y compris en Europe. Puisque, par exemple, en France, le premier club de football qui est fondé, en l'occurrence au Havre, en 1872, est fondé, là encore, par des commis voyageurs et des marchands britanniques. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la diffusion du football suit d'abord très exactement la diffusion de l'influence britannique. Alors, avec, effectivement, pour le cas de la France, je ne vais pas vous assommer sous les dates, une fédération française de football qui s'autonomise en 1919, et des premières Coupes de France en 1917-1918. On est à peu près sur la même chronologie pour des rencontres internationales, puisque la FIFA est créée en 1904, Fédération internationale de football association, c'est son nom à l'origine, et que la première Coupe du monde a lieu en 1930 en Uruguay. Alors, en même temps, il faut faire attention. Parce que là, vous pourriez penser que je suis en train de vous décrire, pour finir à partir de maintenant, une trajectoire très évidente, très évolutionniste, où, pour finir, le football a d'abord été créé par des aristocrates, puis tranquillement, il se popularise, et tout ça se passe bien, et immédiatement réglé. Et en 1914, le football serait déjà un sport populaire partout. En réalité, cette popularisation réelle du football, elle va être lente, très variable en fonction des pays. Et dans des pays comme la France ou l'Allemagne, pour des raisons différentes, elle va être encore un petit peu plus lente. C'est-à-dire que on peut considérer que jusqu'aux années 1940, le football, certes,
se diffuse dans la société française, mais n'a absolument pas le caractère massif et n'est pas du tout, et là encore ce serait une question qu'on pourra soulever tout à l'heure, n'a pas du tout le caractère de grande passion sportive nationale. Alors pourquoi c'est lent ? C'est lent parce que la France est encore un pays en partie rural et le football se diffuse plus dans le cadre des grandes villes. C'est lent aussi parce qu'il y a d'autres traditions en matière de culture physique. Alors, si ça vous amuse, je vous renvoie une petite nouvelle très amusante de Marcel Aimé, l'auteur des Contes du chat perché. Une petite nouvelle qui s'appelle Le Sporting. Et alors, dans cette petite nouvelle, Marcel Aimé raconte l'opposition entre deux formations sportives dans une petite ville. D'un côté, l'association de gymnastique et des gymnastes présidée par le maire radical socialiste. Et de l'autre, le club de rugby, mais ça pourrait être un club de football, présidé par le candidat conservateur. Et ce qu'il montre, c'est qu'au départ, c'est le club de gymnastique qui est la grande attraction de la ville. C'est-à-dire qu'à l'époque, on fait des très grands défilés de gymnastes par dizaines, par centaines de milliers. Et c'est au fond le spectacle qui plaît, qui mobilise, qui paraît impressionnant, etc. Et le petit club de rugby du candidat conservateur paraît tout d'abord complètement annexe et très peu important. Et il faudra donc un certain nombre de péripéties pour que le club de rugby prenne toute son importance. Donc pour finir, en France, pendant très longtemps, c'est la gymnastique. C'est un certain nombre de loisirs liés aux traditions rurales. Dans le nord de la France, par exemple, l'élevage de pigeons. C'est au niveau des sports modernes, le cyclisme et la boxe, qui sont les vrais sports populaires. Le football, c'est plus compliqué. Pour prendre le cas d'un club que je connais bien, le Racing Club de Lens, ça se voit très bien. Le Racing Club de Lens est fondé en 1906. Alors, c'est... Hagiographes, par la suite, ont voulu y voir une conséquence directe de la catastrophe des mines de Courrières, qui est survenue en mars 1906 et qui a tué 1099 mineurs, avec l'idée que le club serait directement né de l'énergie des mineurs. Ce n'est pas du tout ça. Le Racing Club de Lens, c'est à l'origine le club des petites classes moyennes d'une petite ville comme Lens, entourée par d'immenses cités ouvrières. Mais justement, à l'origine, le club n'a rien à voir avec ces cités ouvrières. Et même la référence à ses couleurs, le sang et or, que aujourd'hui, là encore, on aime bien décrire comme le sang des mineurs et l'or des compagnies, c'est pas du tout ça. C'est une référence à l'occupation espagnole de Lens au XVIIe siècle. C'est une espèce de petit jeu d'érudits. Donc, à l'origine, même un club qui a aujourd'hui une apparence et une identité aussi populaire n'est pas du tout un club populaire et va mettre en réalité un certain nombre de décennies à le devenir. Et d'ailleurs, enfin, c'est quelque chose que l'on retrouve dans un certain nombre de clubs. Et on peut se dire d'ailleurs que le football a connu des difficultés particulières quand même à se diffuser en France. Je le répète, parce qu'effectivement, il y avait la concurrence d'autres loisirs, la société était plus rurale. Parce qu'il y a aussi des vraies réticences profondes qui font, par exemple, que le pays est l'un des derniers à entrer dans le cadre du professionnalisme. Il faut attendre 1932 pour que se structure, pour qu'apparaissent des premières équipes professionnelles en France. Et c'est quelque chose contre laquelle la Fédération française de football association résiste pendant 10 ans ou 15 ans. C'est assez rigolo d'aller... Ça serait intéressant de rappeler aujourd'hui à la Fédération française de football que pendant 15 ans, elle s'est résolument opposée à l'entrée de l'argent dans le sport et au fait de payer les joueurs. Ce qui lui paraîtrait très étrange aujourd'hui. Mais c'est bien dire que cette idée d'un sport où on paie les gens, d'un sport qui va pouvoir être pratiqué un peu par n'importe qui, d'un sport où on va retrouver des classes ouvrières, etc., suscite quand même des réticences particulièrement affirmées dans le cadre français. Et ça commence à se résorber dans les années 30, mais
la réticence à l'égard d'un certain nombre d'aspects du football demeure bien présente. Et alors, pour vous citer quelqu'un d'autre, Léo Lagrange, le fameux sous-secrétaire d'État à l'organisation des sports et des loisirs sous le Front populaire, lorsque le président de la Fédération française de football vient de voir pour lui demander de construire un grand stade, Léo Lagrange lui dit que c'est hors de question, que son but n'est pas de créer des champions et de conduire sur le stade 22 acteurs devant 40 000 ou 100 000 spectateurs, mais bien d'incliner la jeunesse de notre pays à aller régulièrement sur le terrain de jeu à la piscine. Il faut imaginer aujourd'hui un dirigeant politique qui répondrait, qui dirait au président de la Fédération de football, non, on ne construira pas de grand stade, on va plutôt développer la pratique sportive amateur. Je vous laisse imaginer, ça serait un renversement là aussi assez intéressant. Mais c'est bien dire que même pour quelqu'un comme Léo Lagrange, qui est un vrai promoteur, diffuseur du sport populaire en France, le football n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus intéressant et ce qu'il y a de plus, ce qui doit le plus être développé. Alors, donc vous avez ce premier moment, cette popularisation extrêmement compliquée. On va un peu avancer. Vous pouvez avoir un deuxième, on peut dessiner un deuxième moment. Au fond, une période qui court entre les années 1930 et les années 1970, où vous avez là pour le coup une communion particulière qui va se créer entre football et culture populaire, et peut-être plus spécifiquement encore, entre football et culture ouvrière. C'est-à-dire que ce qui va marquer l'identité du football dans un certain nombre de sociétés au cours du XXe siècle, c'est peut-être plus spécifiquement encore, je le répète, que sa nature populaire, c'est sa nature ouvrière. Et quand on sait les débats, les questions, l'importance qui a été celle de ce qu'on appelle alors la classe ouvrière, on mesure bien en effet que le fait que la classe ouvrière, dans un certain nombre de pays, ait fait de ce sport l'un des éléments de son identité, va le colorer différemment et va lui donner toute son importance. Alors, un élément, relation entre sport et identité ouvrière, elle est là encore particulièrement marquée dans le cas de la Grande-Bretagne. On a pu dire des stades du nord de l'Angleterre dans les années 40-50 qu'ils étaient the Labour at prayer, le parti travailliste en prière. Une manière de dire que dans les stades britanniques des années 50, tout le monde est ouvrier, tout le monde vote travailliste, quoi d'autre, ils vont quand même pas voter conservateur, et tout le monde joue au football. Et que ces trois caractéristiques sont indissolublement liées. Donc une manière de dire, là c'est très fort, que le stade est plus, beaucoup plus qu'un simple lieu de jeu, c'est l'expression par excellence de l'identité de la classe ouvrière. Donc si vous voulez, c'est bien dire qu'à ce moment-là, c'est une liaison extrêmement importante qui se structure, que l'on voit en Grande-Bretagne, que l'on voit en Allemagne, que l'on voit en Italie, etc. Et ouf, que l'on commence à voir en France. Alors, de manière beaucoup, beaucoup moins développée que dans le cadre britannique ou allemand. Et alors, je pense, bon, Joël Michel, on pourra y revenir évidemment, je pense que la question du monde ouvrier et de la culture ouvrière a toujours été une question un peu problématique en France. Et alors, la question du football dans ses relations avec une culture spécifiquement ouvrière, avec une communauté ouvrière, l'a été aussi particulièrement. C'est-à-dire que des clubs où se retrouve cette idée du parti travailliste en prière, en réalité, vous en avez assez peu. Et pour finir, même dans les années 40-50, certes, le football se popularise et se diffuse, avec effectivement les débuts d'un certain nombre de vedettes dont on va parler, mais on n'est pas du tout dans des phénomènes aussi massifs que ça n'est le cas en Grande-Bretagne. Bon, mais vous avez quand même un certain nombre d'exceptions, et effectivement, parmi ces exceptions, le Racing Club de Lens est assez intéressant. Le Racing Club de Lens est intéressant au sens où, en réalité, ce qui se passe serait tout à fait normal dans le cas britannique.
et alors est en revanche très particulier en France. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Racing Club de Lens, pour donner un exemple un peu concret? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre les années 30 et les années 50, vous avez un club d'élite et de petite classe moyenne qui se miniérise, si j'ose dire, qui s'ouvriérise d'abord dans le recrutement de ses joueurs. C'est-à-dire qu'entre les joueurs des années, du début des années 30 du Racing Club de Lens et les joueurs de la fin des années 40, on n'a pas du tout les mêmes types de profils sociaux. Donc des joueurs qui sont désormais issus du monde ouvrier local, alors avec énormément de Polonais, puisque c'est la principale communauté migratoire à ce moment-là dans les bassins miniers. Et alors c'est aidé par le fait qu'au fond, c'est la compagnie minière elle-même qui a pris le contrôle du Racing Club de Lens. Donc elle recrute des enfants de mineurs, et alors en leur faisant un statut un peu spécial, ils ne sont pas totalement professionnels. C'est-à-dire qu'officiellement, ils ont un emploi à la mine, et qui est un emploi totalement fictif, et par ailleurs, ils sont un petit peu payés pour jouer au football. Donc, vous avez d'une part un club qui s'ouvriérise dans son recrutement, bon, avec quand même quelques belles erreurs de recrutement. Hein. Les ingénieurs et les dirigeants du RCL étaient censés ne laisser échapper aucune jeune pousse sur tout le territoire du bassin minier. Ils voient jouer un jeune homme qui s'est légèrement blessé à la main et qui, depuis ce temps-là, ne veut plus redescendre au fond. Ils le trouvent trop fluet et trop léger, donc ils ne le recrutent pas. C'est un peu dommage. Il s'agit de Raymond Kopaszewski, qui fera par la suite la carrière que l'on connaît. Donc, en tous les cas, c'est pour dire que ce club, c'est d'abord un témoignage de l'ouvriérisation des joueurs. Et c'est en même temps le témoignage de l'ouvriérisation des publics. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à ce moment-là, se construit cette idée que le Racing Club de Lens, c'est des mineurs qui jouent. Alors non, en réalité, ce n'est pas des mineurs. Ce n'est jamais des mineurs. Personne ne peut travailler au fond et jouer au football. Ça, c'est techniquement impossible. Mais donc, c'est des gens qui sont payés par la mine qui jouent et qui sont regardés par d'autres mineurs. Et effectivement, à ce moment-là, je ne sais pas si vous pouvez dire que le stade Félix Bollard, le stade du Racing Club de Lens, c'est le parti communiste en prière, ce qui serait l'expression la plus proche de ce que l'on pourrait avoir dans le code britannique, mais ça y ressemble un petit peu. C'est-à-dire que là, vous avez l'expression d'une identité populaire et d'une identité ouvrière, et d'ailleurs, le parti communiste adore ça. C'est surprenant, hein, c'est-à-dire que autant les gauches françaises étaient restées plus que réticentes à l'égard du football, du sport professionnel dans les années 30, autant, à partir de la fin des années 40, une partie de la gauche française change d'avis, et c'est notamment le cas du Parti communiste. Alors là aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que je pense que les communistes ont été parmi ceux, paradoxalement, qui ont le mieux compris, et alors en France et en Italie, c'est absolument visible, le football comme passion populaire. Et alors, non seulement ils l'ont compris, mais en plus, ils ont contribué à le soutenir et à définir son identité populaire. Alors, pour une raison bien simple, hein, dans les années 40-50, non seulement l'humanité a certains des meilleurs journalistes sportifs du moment, ses chroniques du Tour de France sont quasiment les meilleures, mais en plus, vu la puissance du Parti communiste, le Parti communiste a plein de journaux locaux. Donc une espèce de Voix du Nord communiste, une espèce de Midi Libre communiste, etc., etc. Et on voit bien que les journalistes communistes du Nord-Pas-de-Calais, ils adorent le Racing Club de Lens, vraiment. Ils contribuent très largement à définir son identité populaire. C'est-à-dire que cette idée que le club incarnerait un certain nombre de valeurs minières, le courage, la solidarité, etc., que le club serait l'expression quand il joue d'une identité ouvrière, c'est très largement, ou en grande partie, une fabrication communiste. Et ça se retrouve dans un certain nombre de cas. Donc vous voyez bien que si le Parti communiste le fait, c'est que pour lui, cette liaison entre football et plus qu'identité ouvrière, identité populaire, je le répète, hein, football et identité de la classe ouvrière, c'est quelque chose qui a du sens. Alors, en France, ce genre de tentatives, elles sont un peu éparses,
mais on les retrouve aussi dans d'autres pays. Alors, je vous renvoie toujours du côté de l'intelligentsia communiste. Je vous renvoie à ce petit livre de Pier Paolo Pasolini, intitulé Les Terrains. Donc, Paolo Pasolini, qui est le grand réalisateur que l'on sait, qui est aussi qui est un intellectuel proche, membre du Parti communiste italien, et qui fait partie aussi de ces intellectuels qui s'intéressent au football. Football dans lequel, quand il évoque les supporters, les tifosi de la Lazio, etc., etc., football dans lequel il voit une espèce de quintessence, là encore, d'un certain nombre de valeurs ouvrières. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, non seulement le football apparaît comme l'expression, je le répète, d'une culture, d'une identité ouvrière, mais c'est aussi une expression qui est reconnue, affirmée par un certain nombre d'intellectuels et par un certain nombre de médias. Bon, ça n'empêche pas, par ailleurs, un certain nombre d'intellectuels, notamment français, de détester aussi le football. Hein. Si vous demandez à Louis Althusser, le grand philosophe communiste de l'école normale supérieure dans les années 50-60, je vous assure que son avis sur le football est assez opposé à celui de Pier Paolo Pasolini, Althusser considérant que, de toute façon, tout ce qui est sport est bon à jeter à la poubelle. Mais ça peut vous dire quand même que dans les années 50-60, cette question d'identité ouvrière du football, c'est une question sociale, c'est une question culturelle, mais c'est aussi une question politique. Et donc qui met là aussi en jeu et qui est un témoignage parmi d'autres de la puissance qu'a acquise alors à ce moment-là le mouvement communiste. Évidemment, la question, c'est, et ce sera la troisième mi-temps de mon intervention, si j'ose dire, la question, c'est évidemment de savoir comment on est passé de la situation que je viens de vous décrire. Alors, je suis passée assez vite sur un certain nombre d'éléments, mais on pourra y revenir, si vous voulez, dans les questions, à une situation qui, ça ne vous aura pas échappé, n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Alors là aussi, pour le comprendre, il faut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé il n'y a pas 10 ou 20 ans, mais ce qui commence à se produire, je dirais, dans les années 68. Donc entre la fin des années 60 et le début des années 70. Puisqu'au fond, alors ça a été totalement oublié, mais les années 68 sont pour le football occidental, notamment, des années de crise. Alors, des années de crise, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le statut des joueurs. Alors, notamment, à ce moment-là, les joueurs sont liés à leur club par des contrats extrêmement léonins, par des contrats extrêmement durs. Ils ne peuvent pas quitter le club pour lequel ils ont signé la première fois avant leurs 35 ans. Et vous avez des révoltes des footballeurs, donc un certain nombre d'interrogations sur leur statut. Et vous avez même des footballeurs français qui, au moment de mai 68, envahissent les structures de la Fédération française de football et même, au scandale, se syndiquent. Donc vous avez une interrogation sur le statut des joueurs. Vous avez un certain nombre de clubs qui entrent très sérieusement en crise. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de clubs qui connaissent, entre la fin des années 60 et le début des années 70, un certain nombre de difficultés très nettes. Et vous avez en même temps le sentiment que du côté du spectacle, du côté donc, de ce qui se passe dans les stades et de la manière dont c'est regardé, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, si vous voulez saisir les premières formes de ce changement, je vous conseille, c'est accessible en ligne, le très beau petit film de Jacques Tati. Pas tout à fait un hasard que le cinéaste de la modernité s'y soit intéressé. Donc, le petit film de Jacques Tati qui s'appelle Fort Sabastia, 1978, L'île en fête, et qui est donc consacré à la finale de la Coupe européenne qui oppose les clubs de Bastia et d'Eindhoven en 1978. Et alors, ce qui est très intéressant, donc, Tati suit en fait l'effervescence qui anime Lille, le déferlement des supporters en bleu et blanc, etc., l'effervescence, la musique qui se noue autour du match. Ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse Tati et que Tati voit
bien la nouveauté dans tout ça. C'est-à-dire que ce qui nous paraît aujourd'hui totalement évident, les couleurs, la fête, le fait que le match de football déborde dans la ville, le fait que les supporters soient très exubérants, soient très bariolés, le fait que le football devienne cette espèce de passion complètement incandescente, le petit film de Tati nous dit qu'en 1978, c'est encore nouveau. Donc il y a très clairement quelque chose qui change dans les formes et dans les degrés d'appropriation du spectacle. Alors ça change pour le meilleur, quand c'est Tati qui le montre et qui montre à quel point tout ça c'est beau, esthétiquement même c'est beau. Ça change aussi pour le pire, c'est-à-dire que c'est à peu près à la même période, un petit peu avant, à partir des années 60, que le hooliganisme devient, ou plutôt redevient en Grande-Bretagne, l'incarnation d'un problème social. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous avez... Ça s'était quasiment interrompu pendant 30 ans. Là aussi, je pourrais revenir pourquoi. Je pourrais revenir sur les raisons de cette absence. Mais dans les années 60, vous avez de nouveau des bagarres entre supporters. Et cette fois-ci, des bagarres entre supporters. Vous avez de plus en plus d'agitation dans les stades, de plus en plus de manifestations d'une jeunesse ouvrière, populaire, considérée comme indisciplinée et marginale. Donc jusque au drame qui vont secouer les années 80. Je pense au mouvement de panique au stade du Heysel en 1985 et au drame à peu près similaire qui se déroule à Hillsborough, pas très dans le nord de l'Angleterre, où 95 supporters de Liverpool sont écrasés. Donc, si vous voulez, le spectacle, d'un côté, semble susciter de plus en plus d'enthousiasme et de passion, et en même temps, il semble redevenir le concentré d'un problème social. Alors évidemment, la question, c'est comment expliquer cette crise, cette mutation qui se produit dans le cadre des années 60-70. Alors, tout simplement par le fait que le football n'est pas à l'écart des grandes mutations sociales. Je sais bien qu'il aimerait le penser, et que jusqu'à aujourd'hui, depuis les jets privés jusqu'au stade du Qatar, le football aimerait bien penser qu'il vit dans une espèce de petite bulle où tout ce qui se passe dans le monde ne le concerne pas. Il reste qu'il est touché comme les autres par les mutations du monde qui l'entoure. Et donc par des mutations comme la désindustrialisation, par exemple. Joël Michel vous a dit que j'avais travaillé sur ce sujet. Il y a très clairement un lien entre la crise qui va affecter le monde ouvrier et qui va peu à peu mettre en cause l'identité ouvrière et un certain nombre de transformations du football. Et par exemple, vous ne comprenez pas le hooliganisme tel qu'il se manifeste d'abord en Grande-Bretagne si vous ne faites pas le lien avec les crises identitaires qui secouent une partie des jeunesses populaires ouvrières dans les années 60-70. Donc un football qui subit les effets de la désindustrialisation, de la crise de la classe ouvrière, et qui subit aussi l'effet des changements techniques qui se manifestent au cours du XXe siècle. Et d'abord, un changement qui va faire qu'en fait, il y a presque une solution de continuité entre l'avant-1960 et l'après-1960, qui est la télévision. Si le football aujourd'hui ne ressemble absolument plus au football qu'il était dans les années 40-50, c'est dû à la présence de la télévision. Pendant longtemps considérée comme pas évidente, jusqu'aux années 60, très peu de matchs sont rediffusés. Et d'ailleurs, là aussi c'est rigolo, les fédérations et les clubs y sont extrêmement hostiles. Je pense que là aussi, si on leur disait que dans les années 60, ils étaient hostiles aux retransmissions télévisées des matchs, on les étonnerait beaucoup. Mais c'est vrai, ils y sont hostiles parce qu'au départ, ils ne voient que la perte. C'est-à-dire, ils se disent, si la télévision peut montrer le match, ben alors que les spectateurs ne viendront plus dans les stades. Et comme à ce moment-là, leurs budgets sont essentiellement liés à la billetterie, ils se disent que la télévision sera en fait la mort du football. Bon, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité, il y a un truc beaucoup plus simple à faire, c'est-à-dire de laisser la télévision montrer les matchs, mais d'obtenir que la télévision, en échange, paie les clubs pour les matchs qu'elle montre. Alors cette
trouvaille va effectivement faire que le football va se trouver de plein pied intégré dans un certain nombre de mutations de l'industrie du spectacle. Donc, si vous voulez, le football tel qu'il va se développer dans les années, à partir des années 60-70, c'est à la fois le résultat d'un monde qui est entré profondément en crise, le monde ouvrier traditionnel, et c'est en même temps le résultat d'un monde, si j'ose dire, économique, qui est en train de profondément se transformer, et notamment sous l'effet des, je le répète, d'un certain nombre de mutations techniques de la culture de masse. Donc, si vous voulez, c'est aux confins de ces deux mutations qu'il faut penser ce qui se produit. Alors, ce qui se produit après les années 68, bon, ça, vous le savez, je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup y insister, ce sont des mutations profondes, vraiment très profondes dans les structures des clubs, qui vont là se professionnaliser, qui vont développer les fonctions de communicants, etc., etc. Le premier club qui comprend les enjeux de tout ça, c'est d'ailleurs pas un hasard s'il est resté célèbre, c'est l'Association sportive de Saint-Étienne, les Verts. Dans les années 75-76, c'est par exemple le premier club qui développe le merchandising, donc c'est-à-dire la vente de produits aux couleurs de l'équipe. Bon, les clubs britanniques, les clubs allemands ont compris ça beaucoup plus vite. Hein, mais, donc vous avez une profonde transformation de la structure des clubs qui deviennent, ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple, qui deviennent de vraies entreprises. Alors, c'est beaucoup mieux connu. Vous avez de profondes mutations en matière de statut des joueurs. D'abord parce qu'on peut dire que c'est vraiment avec les années 70 qu'on passe au professionnalisme complètement intégral. C'est-à-dire qu'on arrête avec les petites formes que je vous avais décrites à propos du Racing Club de Lens, type on paie un peu quelqu'un pour qu'il travaille à la mine et on le paie un peu pour jouer au football. Donc vous avez désormais, footballeur, ça devient purement un métier, avec des centres de formation, etc. etc. Donc ça devient des carrières professionnelles. Bon, et il ne vous aura pas échappé que ce sont dans le même temps des statuts qui se modifient et des salaires qui changent considérablement d'échelle à partir des années 80. Si vous voulez, jusque aux années 60-70, vous êtes encore dans des salaires commensurables avec le reste des salariés. Pour vous donner une idée, un bon footballeur en France dans au début des années 60, il est payé comme un très bon ouvrier qualifié. C'est pas nul, mais évidemment, ça n'a rien, mais rien à voir avec le salaire de Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc vous avez là un vrai changement à partir des années 80. C'est encore une fois directement lié au droit télé. Ça, c'est très clair. Bon, plus lié effectivement à des formes de construction d'un marché européen, voire global du football, qui est encore accéléré par l'arrêt de Bosman de la Cour de justice des communautés européennes en 1995, qui permet la libre circulation et le libre recrutement des joueurs. Donc vous avez des clubs qui changent, des joueurs qui changent, et un spectacle, en effet, qui change, non sans faire l'objet... là encore, de très amples contestations. C'est-à-dire que le sport, le spectacle, ou la participation au spectacle, ou, devient en lui-même une espèce d'engagement identitaire. Donc c'est vraiment à ce moment-là que se créent d'abord les formes de supporterisme moderne, ultra, etc., etc. C'est à ce moment-là que les stades changent véritablement d'allure, avec des stades de plus en plus bruyants, colorés, expansifs. Donc vous avez aussi une transformation profonde des modes de participation au spectacle, avec évidemment toutes les questions que ça pose. C'est-à-dire que jusqu'où doit-on admettre cet enthousiasme, cet investissement, jusqu'où il rapporte quelque chose au club, jusqu'où il peut devenir quelque chose de dangereux pour l'ordre public, pour la morale sociale. Ce sont autant de questions qui vont se poser considérablement. C'est-à-dire que là encore, comme c'était le cas à la fin du XIXe siècle, le football et ce qui se passe dans les stades est un lieu où se débattent aussi tout un ensemble de questions très sociales.
Alors, encore une fois, c'est particulièrement visible dans le cadre de l'Angleterre. Et alors, on voit bien que, par exemple, le football est l'un des terrains de déploiement des politiques néolibérales telles que les pratiques, par exemple, Margaret Thatcher. Donc Margaret Thatcher qui arrive au pouvoir à l'extrême fin des années 70 et qui arrive au pouvoir donc face à un football qui n'est pas tout à fait sorti de la crise et surtout face à de très importants problèmes de hooliganisme. Alors comment elle tente de résoudre cette question par deux manières. D'une part par une politique de répression extrêmement dure. Et alors un certain nombre de sociologues du football, mais je pense que Stéphane Beau en parlera par exemple, ont pu dire qu'entre la répression des mineurs en grève, britanniques en grève, en 1984-1985, et les stratégies de maintien de l'ordre dans les stades au même moment, il y avait plus qu'une concordance. Donc la politique de Margaret Thatcher, c'est d'abord il faut empêcher que les entre guillemets jeunes sauvages des classes populaires continuent à perturber les stades. Donc on essaie de résoudre ça par la répression, mais aussi par la marchandisation. En réalité, le thatchérisme a cherché à résoudre le problème du hooliganisme tout simplement en pratiquant ou en encourageant les clubs à pratiquer une politique de tarification telle qu'ils excluent en réalité une partie des spectateurs des stades. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des problèmes issus ou que vous vous attribuez aux jeunes des classes populaires, il y a une solution très simple. Faites en sorte que les jeunes des classes populaires n'accèdent plus au stade. Et donc, augmenter les prix des places de manière à ce que ça ne soit plus possible. Donc, si vous voulez, là encore, on voit bien, alors c'est plus du côté des joueurs, c'est du côté des spectateurs, mais on voit bien que entre la question populaire en général et la question populaire telle qu'elle se pose dans les stades, il y a plus qu'une concordance. Au fond, les stades de football demeurent ces lieux où se discutent, se débattent ce qui est le populaire, la manière dont il faut le réguler, etc. etc. Alors là aussi, si ces questions vous intéressent, je vous conseille le beau film de Ken Loach, que vous connaissez peut-être, Looking for Eric, à la recherche d'Eric Cantona, en 2009, et qui montre bien vu du côté des supporters, les effets de cette stratégie de marchandisation. C'est-à-dire que Looking for Eric, c'est aussi, je pense, enfin, je l'ai vu comme ça, une assez bonne analyse de Ken Loach de la manière dont les rapports anciens entre football et culture populaire se sont vus modifiés par les formes de marchandisation et de répression telles qu'elles s'étaient déployées dans les années 80-90. Donc vraiment, j'y insiste, hein, on est dans des questions qui ne cessent jamais de se poser. Et donc, effectivement, un football qui, alors peut-être aujourd'hui plus du côté du spectacle que de la pratique, continue à incarner un certain nombre de questions sociales, mais qui les incarne de manière différente par rapport à avant et de manière, je le répète, très débattue. Parce que effectivement, et c'est peut-être la dernière interrogation que je soulèverai avec vous, on peut aussi se demander ce que signifie cet investissement qui peut paraître parfois, quand on ne le partageait pas, démesuré, ces investissements identitaires tels qu'ils se manifestent aujourd'hui dans les clubs de football locaux ou équipes nationales. C'est-à-dire que quand vous voyez le déploiement de ferveur autour de Lens, autour de Mbappé, etc., quand vous voyez ce qui s'est passé en France en juillet 1998, et qui n'aurait pas été imaginable, ou pas du tout sous cette forme, dans les années 50-60, la dernière question que vous pouvez poser au football, c'est mais qu'est-ce qui a changé dans nos sociétés pour que désormais les investissements identitaires dans le football prennent cette importance et deviennent un nouveau lieu identitaire. Alors sur cette question, vous pouvez avoir des interprétations pessimistes ou optimistes. Côté pessimiste, c'est par exemple ce que dit l'historien Pierre Rosanvallon,
qui voit dans les foules des stades des incarnations du peuple émotion, qui voit l'incarnation de la quête d'identité des masses modernes, mais qui note tous les problèmes de cette quête d'identité telle qu'elle s'incarne dans les stades, puisque se forment des communautés émotionnelles qui, certes, incarnent une identité, mais sont extrêmement instantanées, extrêmement précaires, et ne peuvent rien structurer de durable. La classe ouvrière pouvait structurer un engagement politique, un engagement culturel, etc. On a bien vu qu'en France, l'espèce d'expression de rêve de la France black-blanc-beurre n'a pas longtemps survécu l'espèce d'euphorie des quelques semaines de juillet 1998. Donc ce que dit Pierre Rosanvallon, c'est qu'au fond, le football ne dit pas l'identité, mais dit la difficulté des formes de représentation et d'identité au début du XXIe siècle. Alors, vous pouvez avoir une interprétation plus positive qui est que, au fond, le football est une manière de, aujourd'hui, de réarticuler un certain nombre d'identités, de faire le point ou le pont entre les identités matérielles, les identités territoriales, les identités sociales, et finalement la manière dont les individus remodèlent ces identités. Je vous renvoie par exemple au beau livre de Ludovic Lestrelin, qui a travaillé sur les supporters de Marseille en Normandie. C'est-à-dire qu'il cherche à expliquer pourquoi aujourd'hui des Normands, fils de Normands, fils de Vikings ou à peu près, supportent l'Olympique de Marseille. Et alors qu'ils n'ont aucun lien avec Marseille. Et ce qu'il montre, c'est que si ce supporterisme se maintient, c'est parce que les supporters normands voient dans l'Olympique de Marseille une espèce d'expression d'identité populaire idéale dans laquelle ils ont le sentiment de se retrouver. Donc ce qu'on peut dire aussi, on peut être moins pessimiste que Pierre Rosanvallon, et dire que tout simplement, le football est l'expression de la manière dont aujourd'hui les individus remodèlent leurs identités sur des bases matérielles, mais aussi sur des bases qui sont plus largement imaginées. Oui, 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 je termine. Donc, tout simplement, je pense pour terminer que je ne suis pas sûre, au fond, que la question doit être posée aujourd'hui dans le débat. Est-ce que le football est populaire ou pas? Est-ce qu'il le demeure? Comme je l'ai démontré, cette question elle est en permanence changeante et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question à lui poser. En revanche, je pense que ce qu'on peut voir, ce que j'espère vous avoir évoqué, c'est que le football est bien un lieu majeur de formation des identités sociales à l'heure de la modernité. Et c'est peut-être avant tout en cela qu'il demeure un phénomène bon à penser pour les sciences sociales, et je pense même bon à penser en général, si vous voulez réfléchir aux identités aujourd'hui dans l'espace public. Voilà. Un très grand merci, parce que c'était vraiment un exposé très, très, très passionnant. Donc maintenant, on va passer aux questions dans la salle, commentaires ou, voilà, ou remarques. Ceci dit, moi, j'aurais aussi une question par rapport au rôle notamment des ouvriers, enfin, pour les ouvriers. Et je voudrais connaître le rôle que les entreprises ont joué dans justement la diffusion au sein du mouvement ouvrier de cette culture du football. Je pense par exemple au stade, alors j'espère ne pas me tromper, mais Sochaux. Et il me semblait que c'est quand même, il y a le stade Sochaux qui n'est pas tout à fait rien. Et donc je me demande si quel rôle les entreprises ont joué dans ce diffusion du football dans la culture ouvrière. Et l'autre, c'est par rapport aux identités. Et vous avez mentionné tout à l'heure Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, c'est la banlieue et c'est la Seine-Saint-Denis. Et c'est donc, entre autres, mais c'est aussi un représentant quelque part de la banlieue parisienne et de toutes les banlieues qui sont parfois en difficulté. Et est-ce que ce n'est pas une identité aussi, une nouvelle identité qui se naît, l'identité de la banlieue et des gens qui sont en difficulté, une autre forme de difficulté? Oui, merci pour ces deux questions. Alors, sur le rôle des entreprises, oui, bien sûr, surtout que, de toute façon, l'État s'est beaucoup investi dans le soutien à la pratique, mais pas dans le soutien au sport professionnel. Donc oui, un certain nombre d'entreprises, Sochaux Peugeot à Sochaux, Fiat à Turin, la compagnie des mines de Lens à Lens, ont joué un rôle majeur dans la construction des stades, dans le paiement des joueurs,
pendant longtemps, et donc dans l'entretien effectivement de cette passion. Alors ce qui est intéressant en même temps, c'est que ça leur a complètement échappé. C'est-à-dire qu'ils soutenaient le football avec l'idée que le football serait un moyen d'assujettir les ouvriers, en quelque sorte, de faire en sorte que les ouvriers arrêtent de faire grève pour aller au stade. Là, ils ont fait une erreur absolument magistrale. J'ai jamais vu qu'un match de football ait empêché une grève. Et je pense qu'au contraire, en accentuant cette passion ouvrière, ils ont peut-être aussi, sans le vouloir, contribué à structurer des identités assez importantes. Alors, concernant la question des banlieues, bon, je pense que Stéphane Beau y reviendra beaucoup mieux que moi, puisque c'est son objet. Je voudrais juste faire remarquer une chose. Oui, cette question, le fait que le football soit un truc des périphéries, est en réalité assez ancien. Encore une fois, les banlieues, elles étaient ouvrières avant. Le fait que les banlieues soient un problème dans la société française, ça remonte à peu près un siècle. Avant, c'était les communistes qu'on craignait. Maintenant, c'est autre chose, mais c'est les mêmes lieux. Donc, je pense qu'il y a des héritages. D'abord qui se protège. Alors après, effectivement, qu'aujourd'hui le football ou un certain nombre de réussites par le football soient considérées avec une part d'illusion immense comme une espèce de solution pour la jeunesse en difficulté, oui, même si je pense qu'il ne faut pas non plus les habitants des banlieues pour ni penser qu'ils croient totalement au mythe, mais ça je pense que là encore Stéphane Beau y reviendra, trop se fier à cette idée que le football permet de sortir de la pauvreté pour faire des stratégies météoritiques. Kylian Mbappé en est un bon exemple. Il est rare que les très grands footballeurs viennent, si j'ose dire, du lumpen prolétariat, viennent des fractions les plus instables et les plus marginalisées des classes populaires. Même au contraire, des gens comme Kylian Mbappé, d'ailleurs, sont de très bons exemples, ce sont en général les fractions les plus stables des classes populaires. Celles dont les parents, c'est très fréquent dans le monde du football, ont déjà un pied dans le sport, qui les encourage. Donc, c'est les idées qu'on sort du ruisseau ou à peu près pour gagner des milliards. C'est peut-être vrai dans un ou deux cas, mais en réalité, dans de très nombreux cas, c'est beaucoup plus compliqué et socialement conditionné que ça. Oui, on sait qu'en Angleterre, les stades, à peu près à la période de développement et de popularisation que vous avez parfaitement décrite, ont été construits en lisière immédiate des quartiers ouvriers. Est-ce que c'est le cas également en France ? Alors, pour un certain nombre de stades, oui. Pour le cas d'un stade que je connais bien, le Racing Club de Lens, oui, c'est exactement le cas. Le Racing Club de Lens, en fait, est construit, est inauguré en 1934, et il est construit exactement à la frontière du petit centre-ville de Lens et des très grandes cités minières qui jouxtent le centre-ville. Alors, c'est aussi une question, je ne sais pas si c'est socialement pensé. C'est aussi simplement parce que les terrains, à mon avis, sont moins chers, tout simplement, dans ce domaine-là. Et alors, pour le cas du Stade Bollaert, c'est aussi une raison très simple, c'est-à-dire que là, la Compagnie des Mines possède les terrains. Donc, c'est plus simple. Donc, je pense que c'est... Mais effectivement, ce type de localisation se repère aussi en France. Et en Italie aussi, par exemple. J'ai trouvé passionnant votre intervention. Je regrette un tout petit peu, mais on n'a peut-être pas le temps, c'est que vous n'ayez pas abordé le langage dans le foot, qui est, à mon avis, très important. Il est populaire d'abord, et ensuite, il va vraiment glisser dans un autre domaine, beaucoup plus scientifique. Je disais qu'on aurait pu aborder le langage dans le foot, ce qui me semblait être important. Et puis, deuxième point, c'est vous avez fait allusion au récit historique, sportif, économique sur le foot. Mais vous n'avez pas du tout abordé, on est dans une salle de spectacle, ce que moi j'appelle le récit romantique, quoi, c'est-à-dire le lyrisme qu'il peut y avoir dans le football, quand on y joue, et éventuellement quand on le regarde. Moi je me souviens des années 70 avec l'Ajax, ou les Corinthiens avec Socrates, et même Saint-Étienne. Et ça aurait été intéressant de voir, c'est pas seulement un jeu, pas seulement un spectacle comme ça, mais c'est quelque chose où les gens s'incluent beaucoup plus, parfois. Voilà.
Oui, oui, non, vous avez tout à fait raison. J'ai déjà parlé une heure. Je pense que si je parlais deux heures, c'était... non, je pouvais techniquement pas tout dire. C'est tout simplement ça. Et j'ai voulu insister sur la nature sociale. Pour vous répondre sur deux points, bien sûr, la question du langage est évidemment fondamentale. Et la manière, d'ailleurs, dont le langage populaire, ou les chansons, la manière dont toute une série de chants de supporters reprennent des formes de culture populaire, c'est très important. Et alors sur l'esthétique et l'engagement du football, oui, bien sûr, c'est un élément. Je ne pouvais pas travailler, je pense que l'une de vos intervenantes le fera ensuite, sur l'aspect purement formel, mais qui est important. Et alors vraiment, je vous renvoie, si la question vous intéresse, à ce que dit Pasolini, qu'il a pour le coup, on sent bien que lui, le réalisateur de cinéma, dont on sait bien l'attention extrême qu'il portait à un certain nombre de questions formelles, on voit bien que c'est aussi cela qu'il fascine dans le foot. Pour lui, le foot est le dernier spectacle total, le spectacle dans lequel tous peuvent participer et s'impliquer, ce que ne fait plus le théâtre, ce que faisait le théâtre au temps de Shakespeare, ce que ne fait pas le cinéma. Le football, lui, peut encore le faire, c'est-à-dire créer un spectacle où non seulement les acteurs, mais l'ensemble des participants s'impliquent physiquement et s'impliquent par corps. Donc c'est effectivement des dimensions extrêmement importantes. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous évoquer, vous avez beaucoup parlé d'identité sociale ouvrière, et c'est très intéressant. Mais est-ce que il n'y a pas aussi des questions alors d'identité urbaine et territoriale et des questions d'identité nationale ? Est-ce que ces questions ne sont pas aussi posées et comptent et notamment, on peut se demander sur le football comme un moyen d'affirmation d'identité nationale au moment où elle se... désagrège, ou en tout cas semblerait s'affaisser dans les cultures européennes, par exemple. Voilà. Donc moi, je m'interroge un peu sur... alors peut-être, effectivement, est-ce que c'était vrai avant, déjà, qu'il y avait déjà un sentiment de ces identités, soit territoriales. Parce que moi, j'avais lu un mémoire de maîtrise sur le Havre, le football club du Havre, qui était très orienté sur... l'importance de l'identité locale havraise comme pour ce club en tout cas. Donc voilà, donc vous avez des questions sur qu'est-ce que vous voyez, y compris historiquement, dans la dimension territoriale, qui n'est pas exactement la même que la dimension, même si ça se recoupe, hein, parce qu'il y a des territoires ouvriers, etc. Mais voilà, merci. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Encore une fois, sur ce thème du football et du rapport aux identités, on pourrait en parler des heures. Hein, donc, je me suis concentrée sur la question sociale, mais bien sûr, vous avez raison sur la question des identités territoriales. Je répondrai de manière différente aux deux éléments de la question que vous avez posée. Est-ce que la force et la diffusion du football est liée depuis longtemps à sa capacité à incarner des identités territoriales ? Oui. Bien sûr. C'est même d'ailleurs le premier élément, c'est-à-dire le football comme incarnation d'une identité de quartier, le football comme incarnation d'une identité de ville. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui marche très vite et qui explique effectivement l'importance que le football a pris également, qu'il a pris peut-être encore plus dans certains pays que d'autres. C'est-à-dire que on voit bien qu'en Italie, par exemple, pays où les cultures et les identités urbaines ont une importance politique et sociale nettement plus affirmée, l'opposition entre les deux clubs de Turin, entre les deux clubs de Rome, etc., sont des éléments extrêmement importants. Donc sur la notion d'identité territoriale, oui. Est-ce que le football est depuis longtemps ce vecteur ou ce rassureur d'identité nationale qu'on connaît aujourd'hui ? Là, ma réponse, elle serait beaucoup plus nuancée. Ça dépend beaucoup des pays. Pour l'Angleterre, encore une fois, oui. C'est-à-dire que la finale de la Coupe britannique au stade de Wembley est, dès le début des années 20, une espèce d'institution nationale. C'est le roi ou la reine qui vient remettre la coupe. Et c'est vraiment l'idée que le stade de Wembley
incarne en quelque sorte l'identité nationale britannique. Il y a des rencontres mythiques comme celle, comme la finale de 1925, où la légende dit que, preuve du flegme et du fair play britannique, il y avait 3 ou 4 fois l'affluence dans le stade, trois ou quatre fois plus de public dans le stade que ce qui était prévu. Et malgré cela, il n'y a eu aucun débordement. Et un seul policeman, armé de son bâton blanc, a réussi à faire respecter l'ordre pendant l'heure et demie que durait le match. Donc une incarnation, plus que les Jeux Olympiques de Londres, plus que l'enterrement d'Elisabeth II, une incarnation de toutes les vertus britanniques. Donc en Angleterre, oui. En France, je vous renvoie aux travaux de Patrick Mignon, par exemple. Ce rapport entre football et identité nationale est beaucoup plus récent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si vous regardez les lieux de mémoire de Pierre Nora, la grande entreprise de Pierre Nora entre 84 et 92, il n'y a rien sur le football. Et la compétition qui fait lieu de mémoire, et je pense qu'il a raison, c'est le Tour de France. C'est-à-dire qu'en France, si vous parlez de la Coupe du Monde de 58... encore une fois, c'est pendant longtemps, je pense beaucoup plus le Tour de France, qui a été la grande épreuve et le grand moment, qui est aussi un autre rapport au territoire, d'incarnation d'une identité nationale. Ce rapport entre football et nation, à mon avis, enfin, c'est ce que dit aussi le sociologue Patrick Mignon, ça s'est noué beaucoup plus tard, dans les années 80-90. Et alors, évidemment, ça s'est quand même énormément structuré et affirmé avec la Coupe du Monde de juillet 1998. Je ne partage pas ceux qui disent que jusqu'en 1998, la France ignorait tout, n'était pas vraiment un pays de football, mais ce n'est pas tout à fait faux quand même. C'est-à-dire que pour le coup, cette identification, elle est beaucoup plus récente en France. Et elle pose, à mon avis, plein de questions. Hein. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire du football ou de la manière dont est composée l'équipe de football un lieu à ce point de réflexion sur l'identité nationale, sur la question de savoir est-ce qu'elle est bien composée, est-ce qu'ils chantent la Marseillaise, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est très récent. Et je pense que, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça dit quand même quelque chose d'intéressant sur la difficulté à poser certaines questions, en effet. La difficulté à poser la question du national sur d'autres terrains, et donc c'est comme si on la repliait sur le terrain sportif. Peut-on considérer que la boucle est bouclée quand on a vu des joueurs non syndiqués faire grève en refusant de descendre d'un bus ? C'est une très bonne question. Alors, je vais me défiler lâchement. Enfin, je ne vais pas me défiler lâchement. C'est un sujet sur lequel Stéphane Beau a énormément travaillé, qu'il connaît très bien. Donc, je vais le laisser vous expliquer. Moi, j'ajouterais simplement que c'est intéressant, effectivement, sur la manière dont les joueurs de football se considèrent. Bah, depuis le professionnalisme, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont des travailleurs comme les autres ? Même très payés, hein. Est-ce qu'ils sont pas des travailleurs ? Et je pense que pour les footballeurs eux-mêmes, c'est pas quelque chose de très clair. Et je crois que ça fait partie d'un certain nombre de lacunes des centres de formation. C'est-à-dire que je pense que même pour les footballeurs, ce qu'est leur identité professionnelle et ce qu'ils sont, des stars, des travailleurs, des gens qui jouent pour, des gens qui jouent, c'est pas très clair. Et je pense qu'une clarification, d'ailleurs, les footballeurs de Knysna ont aussi oublié qu'ils ne sont pas seulement des travailleurs, mais aussi des acteurs. Et donc, quoi qu'ils fassent, et je pense que pour eux, c'est extrêmement pesant, hein, ce qu'ils engagent par leur acte dépasse. Enfin, quand les travailleurs font grève, c'est un problème de rapport entre eux et leur patron. Quand des footballeurs font grève, et effectivement c'est une forme de grève un petit peu particulière, c'est quelque chose qui engage beaucoup plus de choses. Mais là encore, je pense que Stéphane Beau, qui une fois encore a écrit tout un livre sur la question, pourra très largement y revenir. Je crois que monsieur avait une question. Ça marche ? Oui. Est-ce que vous avez identifié, est-ce qu'il y a un changement ou des changements entre la ferveur populaire en 98 en France et celle en 2018 pour la deuxième Coupe du Monde ?
Ah, c'est une bonne question. Oui, alors la réponse facile serait de vous dire oui pour deux raisons. D'abord parce qu'en 1998, la France n'avait jamais gagné de Coupe du Monde et qu'en 2018, c'est une réédition. Deuxième raison encore plus évidente, en 1998, je vais vous asséner un truisme, la Coupe du Monde se joue en France et en 2018, elle se joue en Russie. Donc je pense que c'est les deux éléments différents. Après, est-ce que... Enfin, vous savez que ce sont des débats qui sont récurrents, qu'il y a désormais une espèce d'idéalisation de l'équipe de France de 1998, qui était pourtant l'objet de bien des critiques avant juillet 1998, et avec l'idée de dire que depuis, c'est mal, il se comporte mal, etc. etc. Je pense qu'on est sur une période trop courte pour observer des changements importants. Et encore une fois, les changements... que l'on peut voir en termes de ferveur, etc., sont dus à deux éléments, je le répète, très simples, qui sont qu'un, il y a dans un cas une première fois et dans l'autre non, et deux, quand une Coupe du Monde se déroule dans votre pays, c'est quand même quelque chose d'extrêmement évidemment différent. Oui, je voulais vous poser une question en matière de, j'allais dire, de stratégie de différenciation des différents clubs, je pense à la France en particulier. Donc, vous avez évoqué les ancrages locaux, Lens, Saint-Etienne, etc. On peut évoquer aussi la tentative de Rennes de régionaliser en baptisant son stade Roazhon Park, alors qu'on n'a jamais parlé breton à Rennes. Et est-ce que finalement, la logique n'est pas d'arriver à une, comment dirais-je, une démarche purement de management commercial en ayant la meilleure équipe et en s'affranchissant complètement de l'ancrage local? Alors, c'est une excellente question. C'est une question que se posent beaucoup de sociologues du football aujourd'hui. C'est-à-dire que les liens avec le territoire se sont déjà en partie rompus. C'est-à-dire que par rapport aux années 50-60, ils se sont rompus des deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, les équipes sont beaucoup moins ancrées territorialement. Il ne faut pas l'idéaliser non plus. Hein, les deux joueurs préférés du Racing Club de Lens dans les années 50-60, c'est Xerxès Louis, qui est un Martiniquais, qui est noir, et Ahmed Oudjani, qui est un joueur algérien, qui n'est pas du tout un mineur, qui est venu là sur recrutement. Donc l'idée qu'on suive des joueurs qui ne sont pas locaux, ça, ce n'est pas nouveau du tout. En revanche, c'est vrai que le phénomène s'est particulièrement accentué et que désormais les équipes n'ont pas grand-chose à voir avec le territoire dans lequel elles s'ancrent. Donc vous avez d'une part... une déterritorialisation du côté des équipes et d'autre part une déterritorialisation du côté des spectateurs. On sait aujourd'hui qu'en réalité une partie des clubs n'a même plus besoin en réalité de spectateurs dans les stades, c'est pas ça qui les fait gagner de l'argent. Donc de là la tentative, la volonté de construire des clubs comme des grandes marques mondiales, le Real, Manchester, etc., etc. Alors et effectivement, ce que je vous ai dit sur les supporters à distance, le fait que vous puissiez être pas supporter du Paris Saint-Germain à Marseille, ça c'est pas possible, le fait que vous puissiez être supporter de l'Olympique de Marseille en Normandie, ça c'est possible, le fait que vous puissiez être supporter du Real à Paris, ça c'est tout à fait envisageable. La question c'est jusqu'où vous pouvez aller là-dedans, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez aller jusqu'à une déterritorialisation complète? À la limite, vous n'avez même plus besoin de stade, etc. Les clubs sont devenus uniquement ces espèces de grandes marques globales. Ou est-ce qu'à un moment, le processus ne va pas devoir s'arrêter? Moi, j'ai envie de vous dire, les historiens ne doivent jamais faire de la prospective, ils sont très mauvais. Mais moi, je pense que, encore une fois, le football n'est pas séparable de son temps et suit les évolutions de son temps. À un moment quand même où on parle de plus en plus de reterritorialisation, où la question écologique va quand même se poser aussi au football. Je sais bien que pour l'instant, ils ne veulent pas l'entendre, mais elle se posera quand même. À un moment où toute une série de questions vont se poser, je me demande si le processus n'est pas allé jusqu'au bout du bout et s'il ne va pas alors se renverser, je n'en sais rien, mais s'infléchir. Mais c'est une pure hypothèse, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'évolution, effectivement, elle est encore dans une déterritorialisation qui se poursuit. Oui, j'ai encore une question tout à fait différente. Tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, le football s'était mondialisé, est devenu le grand sport, sauf peut-être, effectivement, dans des pays. Peut-être vous avez des idées sur les États-Unis ou l'Inde, justement, pourquoi là-bas c'est le cricket dans un pays quand même comme l'Inde.
qui a pris le devant comme sport le plus populaire. Bon, ça c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des études qui mettent en rapport, alors là c'est complètement différent, le football comme sport, c'est-à-dire qu'on joue avec les pieds, et qui est tout à fait exceptionnel par rapport à la quasi-totalité des autres sports, et la dimension populaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des études vraiment qui travaillent sur le type de sport pratiqué, et parce que moi ça m'intéresserait beaucoup, et justement le public ou les participants au sport même. Voilà, donc le football, c'est quand même un jeu très particulier qui est un style de fête. Pourquoi est-ce qu'est-ce qu'il induit dans son jeu et dans le regard, voilà, et y compris donc dans le fait qu'il ait pris cette dimension si populaire. Oui, merci. Alors, pour répondre à vos deux questions, alors sur pourquoi le football en Amérique du Sud et pourquoi pas en Inde, il y a toujours une part de mystère. Hein, ce que l'on peut dire, enfin, si on veut essayer de donner un cadre d'explication socio-historique un peu global. Ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend beaucoup des élites du territoire considéré, ça c'est sûr, puisque ça c'est diffusé par les élites. Ça dépend de ce qui se passait dans leur structure éducative à ce moment-là, puisque c'est quand même beaucoup passé par les structures éducatives, et ça dépend des formes de concurrence qui existaient. Effectivement, le cricket correspondait, là ça va un peu dans votre sens, d'abord c'est avec comment ça se diffusait avant, et par ailleurs, consonner avec un certain nombre de pratiques de jeux plus traditionnels en Inde, donc c'est ancré plus facilement dans la culture indienne. Dans le cas des États-Unis, bon, il y a plein de raisons. L'une des raisons aussi, c'est que le football américain et le basket c'était déjà en réalité structuré quand le football a commencé à se diffuser mondialement et qu'en réalité il n'y avait plus tellement de place pour d'autres sports, même si le football s'est un peu diffusé, hein, mais en inversant les caractéristiques qui sont les siennes en Europe, et par exemple en étant un sport féminin. Ce qui permet de discuter toutes les interprétations qui font du football l'incarnation de la virilité par excellence, puisqu'aux États-Unis c'est exactement le contraire, et c'est le football, c'est féminin. Alors, ça m'amène à votre deuxième question. Est-ce qu'il y a, dans ce qu'est le football et dans le type de jeu, quelque chose qui peut expliquer aussi sa diffusion populaire? Oui. Alors, je vous renvoie, par exemple, aux travaux de Christian Pociello. C'est des hypothèses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a, dans le type de jeu, dans le seul usage des pieds, etc., des choses qui ont pu jouer dans sa diffusion populaire. Je pense qu'il faut mettre en avant aussi... la relative simplicité, ça dépend, parce que si vous avez les règles du hors-jeu, etc., c'est pas si simple que ça. Le fait que c'est un sport qui, en effet, peut se pratiquer partout, donc il peut correspondre, en effet, hein, je pense, à des types de cultures populaires au Brésil, en Italie, qui pouvaient se rencontrer spontanément dans le football. Donc, effectivement, ça peut être un élément. Mais comme le vélo, d'ailleurs, qui a aussi été, ou comme la boxe. C'est-à-dire, il n'y a pas que le foot qui marche bien dans les cultures populaires. Je vais préciser que le football, ce n'est pas que les pieds, c'est beaucoup la foot. Alors, c'est oui. Très intéressant, c'est le seul sport où on est honoré quand on serre sa tête. Oui, oui, non, tout à fait. Le football, on se sert aussi de... Monsieur avait tout à fait raison de faire remarquer que le football, on ne se sert pas seulement de ses pieds, on se sert aussi de sa tête. La seule chose qui soit proscrite, ce sont les mains. Oui. Oui, j'aurais... Enfin bon, des
petits points qu'on pourrait discuter qui relèveraient plutôt du Pas-de-Calais. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, le rapport avec le communisme me paraît quand même pas si évident. Parce que Lens, c'est la Mecque de la SFIO. Mmh. Et le stade, il s'appelle pas Stade Lénine, il s'appelle Stade Bollard, c'est-à-dire le grand dirigeant des mines de Lens. Mmh. Donc peut-être. Mais non, j'ai deux remarques ou questions. On vient de parler justement de pas de machisme, on n'a pas dit ça. Et nous aurons une séance ensuite sur le football féminin. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le football féminin qui effectivement existe aux États-Unis par rapport au football américain. C'est pour ça que les filles jouent au football européen, parce que ce n'est pas le virilisme du football américain hein, là-bas. Et à ce propos-là, je me demande, alors je reviens à quelque chose de plus général historiquement, cette espèce de virilisme, de qualité, de force et tout ça, ça explique peut-être aussi la répartition des clubs de foot. Parce que le foot, c'est l'Europe de l'industrie lourde. C'est-à-dire que c'est Lens, c'est Saint-Étienne et c'est Valenciennes. Mais il n'y a pas d'équipe de foot à Roubaix. C'est-à-dire que le textile, qui est de main-d'œuvre féminine, il n'a pas d'équipe de foot. C'est seulement dans cette espèce de... Oui, enfin, on peut dire de machisme si on veut, d'industrie lourde. C'est vrai dans la Ruhr, c'est tout à fait vrai dans le sud de la Pologne. Enfin, ce sont des équipes liées, alors pas seulement au charbon souvent, mais à la sidérurgie. Valenciennes, c'est plutôt à la sidérurgie. Hein. Donc ça explique un petit peu en France la répartition. Alors après, bien sûr, maintenant, bon, l'OM, c'est pas l'industrie lourde, mais historiquement parlant, je crois que ça explique pourquoi c'est pas dans les banlieues parisiennes que, par exemple, les plus grands. C'est en partie faux. Bon. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de la différence entre le foot et les autres grands sports populaires, hein, la boxe et le cyclisme. Et une différence qui m'apparaît, c'est justement dans l'enracinement grâce à l'idée de promotion sociale. Parce que la boxe, il y a évidemment des gens qui s'en sortent, mais c'est individuel. Hein, c'est pas quelque chose de collectif. Il n'y a pas des clubs de boxe. Il y en a, mais ce n'est pas du tout la même chose dans la population. Le cyclisme, bah, c'est plus quelque chose qu'on regarde que quelque chose qu'on pratique. Enfin, dans le Nord-Pas-de-Calais, le cyclisme est tout aussi apprécié que le football, mais il n'y a pas du tout la même pratique. Bon, alors que le foot, moi, si je peux évoquer des rapports, des souvenirs personnels, quand j'étais en sixième dans la banlieue de Lens, enfin, même plus loin que ça, à 15 km de là, à Bruay, eh bien, il y avait des recruteurs qui venaient. Et je me souviens très bien d'un élève de 6e, Casimir, bien sûr, qui s'appelait, et que les parents étaient prêts à retirer de l'école pour l'envoyer en formation à Lens. C'était la gloire absolue. Et ça, c'était très répandu. Il y avait des parents qui disaient non, moi, je ne veux pas qu'il s'en aille. C'était vraiment un sujet réel dans les années 60. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'autres sports offrent cette perspective de sortie honorable, parce que sans rupture avec le milieu, hein, plutôt que le transfuge de classe, comme on dit. Et ça, c'était très, très vrai, très ressenti. Oui, merci. Enfin, ça fait plein d'éléments effectivement sur lesquels discuter. Alors, sur le rapport entre football, identité masculine et identité ouvrière, oui, mais alors, je ne le verrai pas parce qu'on va. Si vous regardez la géographie de la diffusion du football, il y a quand même. Alors, certes, c'est l'industrie lourde, mais c'est aussi énormément le sud-est, par exemple. Donc, ce n'est pas uniquement l'industrie lourde. En revanche, c'est vrai que, paradoxalement, non, d'ailleurs, c'est la popularisation du football et son ouvriérisation sont allées de pair avec l'exclusion des femmes pendant 60-70 ans du football. C'est-à-dire qu'au départ, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, il y a la nature sexuée du football est un peu indéterminée. Il y a des femmes qui jouent au foot. Dans les années, en France, vous avez des équipes de football féminines 1890, 1900, 1910. Ça, c'est minoritaire, mais comme elles jouent au tennis, comme elles jouent à d'autres sports. Et il est clair que l'ouvriérisation s'est faite au détriment et qu'effectivement, au fur et à mesure que le sport s'ouvriérise et se démocratise, il se ferme aux femmes. Et vous le savez, il va se fermer aux femmes quasiment jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le fait que le football permettrait une ascension sociale, oui. Alors, je pense qu'il faut quand même... Alors, je serais d'accord avec vous, effectivement, une ascension sociale qui ne coupe pas les liens avec le quartier. Ce qu'il faut quand même bien rappeler que à part exception Copa, mais jusqu'aux années 50-60,
c'est quand même pas, c'est pas des associations sociales mais théoriques quand même, quoi. C'est-à-dire que vous avez pendant 10-15 ans un salaire de bon ouvrier qualifié et vous pouvez acheter un café à la sortie. C'est-à-dire que c'est ça, les joueurs de football professionnels jusqu'aux années 60. Donc vous avez raison, effectivement. C'était de devenir instituteur, donc ça permet ce genre de choses. Alors, est-ce que la boxe et le cyclisme l'offrent moins ? Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a quand même vraiment des formes d'ascension. Je pense à l'un des premiers boxeurs mondialement connus, Georges Carpentier, qui est aussi un Lensois. Il y a quand même des formes d'ascension. Vous voyez le cyclisme. Le cyclisme a fait quand même... permis des formes d'ascension bien réelles. Mais alors effectivement, peut-être que le football le maintient dans un ancrage et dans quelque chose de plus compréhensible. Enfin, tout ça jusqu'aux années 60-70. Après, c'est au contraire le déracinement par excellence. Mais, et là, bon, même si là encore, hein, bon, je pense que Stéphane Beau vous en parlera, mais tous les footballeurs professionnels ne deviennent pas Kylian Mbappé, c'est bien connu. Quoi. Ça ne concerne qu'une poignée de footballeurs. La plupart gagnent bien, voire très bien leur vie, mais on n'est pas dans là, ce qui devient totalement difficile à penser pour la quasi-totalité de l'humanité. Mais... On va prendre encore une ou deux questions, mais après, on devra rendre la salle. Oui, d'abord, une toute petite anecdote qui va dans le sens de ce que monsieur au premier rang disait tout à l'heure. J'ai un ami, un collègue, même prof de lettres, qui était et certainement toujours un lecteur féru de l'équipe. Alors, je m'en étonnais un petit peu en jouant mon personnage, mais peu importe. Et il m'a expliqué que c'était très bien écrit. D'abord, hein, sur le plan stylistique, je le crois sur parole, et que ça donnait, en particulier le foot, c'était, pour paraphraser la célèbre phrase de Céline sur l'amour, c'était la tragédie et l'épopée à la portée de tous. Ma question était un petit peu déstabilisée par la réponse et la question de Joël, mais j'ai été frappé il y a quelques années par les réactions extrêmement violentes de certains chroniqueurs footballistiques attitrés sur les médias, qui avait dit que le football féminin, c'était pas sérieux, que la place des femmes n'était pas là, etc., etc. C'était assez violent. Personnellement, j'y vois un combat d'arrière-garde, hein, un dernier rempart envers, effectivement, une attitude, de la part d'une attitude masculiniste qui voit avec le football féminin... Et